C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétri de la terre. Tout homme est à l'image de Dieu. Tout homme est une histoire sacrée. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Non, 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 comble de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur. Bon, alors je mets bis. Oui. Elle est bien sur son lit, vous savez. Pour l'instant, ça va, mais je sais pas si je vais tenir. Allez, maman. C'est pas facile de perdre sa mère. Vous verrez quand je mourrai. Bon. Ensuite, Saint-Augustin, c'est ça? Alors, Augustin, je l'ai. Où? Maman! Vous l'avez pas? Vincent! Vous l'avez pas? Elle est sur un des papiers que je vous ai donné. Prière de Saint-Augustin. Et ça chante, ça? Non, c'est une prière, une très belle prière. Ne pleurez pas si vous m'aimez, c'est ça? Voilà. Vous l'avez? Vincent! Oui, si c'est ça, je l'ai. Bon. Il faut la recopier. En entier? Oui. Elle est longue, fait chier. Bon. Je le ferai plus tard. Ensuite, sur le seuil de sa maison? Voilà. Vous avez aussi une feuille avec les couplets. Et ça chante, ça? Sur le seuil de sa maison, notre père s'attend et les bras de... C'est un peu faux, là, non? J'ai un peu oublié. Bon, sur le seuil de sa maison, notre père t'attend. Elle est... Oh, c'est affreux, je sais plus. Bah, c'est pas grave, laissez tomber. Je mets chant. Puis le curé, il saura. Eh, mais il y a 6 strophes, là. Je dois recopier les 6. Je dois taper les 6. Oh, nom de Dieu. Il y a écrit absoute, là. Est-ce que je mets absoute? Allô? Qu'est-ce qui se passe maintenant? On en est absoute, merde, fais chier. Allô? Vincent, ça y est. Ça y est. Quoi? Je suis au bureau là, j'ai pas que ça à foutre. C'est ta grand-mère aussi, ça tu sais taper, merde. Deux minutes, t'as Olivier au téléphone sur l'autre ligne, elle est née, ça y est. Et qui? Notre nièce, crétin. Attends. Elle est née, s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Maman? On sait pas. 4 kg 150! Oh là, c'est pas mal. Elle pèse 4 kg 150. Ouais, attends 2 minutes. 2 minutes? Putain, mais j'ai pas que ça à foutre. Sur le seuil de sa maison, notre père t'attend. T'as 5 minutes? Hein? Ah non, non, désolé, j'ai pas le temps, là. Mais on fait comment? Je te laisse mes notes, tu m'appelles quand tu as lu. Ça, c'est au moins ma grand-mère qui a ressuscité. Allô, oui? Allô, Vincent? C'est Olivier. Elle est née. Oui, c'est ça, je t'appelle. Bravo! Je t'appelle. Olivier a eu une petite fille. Ah ouais? Je t'appelle. Vincent! Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? 4 kg 150, putain, c'est une grosse fille. On sait pas. Non mais là, 2 secondes, je suis avec Olivier sur l'autre ligne, là. 2 secondes. Non, c'est la mère. Mais je lui tape les textes pour l'enterrement de Bonne, si tu veux. Ouais, normal, c'est ça. Ouais. Moi, je tape et toi, t'accouches. Normal. Est-ce qu'elle a des cheveux? Quoi, Claire? Ah, c'est pas mal comme nom. Elle a pas de cheveux, au moins. Est-ce qu'elle a des cheveux, demande ta mère. Aïe. Elle a des cheveux. Noirs. Bah, tu t'en fous, tu la tons. Non, mais je l'ai l'adresse, ok. À plus. Il est parti. Allô? Elle a des cheveux! C'est une catastrophe, hein? Non, c'est une catastrophe. Ils vont tomber de toute façon, hein? Bon, il a bien compris que c'était une catastrophe. Il a dit elle a des cheveux, il avait l'air triste. C'est de votre faute. Par sa mort sur la croix, je suis en train de recopier le truc, là. Mais il y a marqué absoute. Qu'est-ce que ça veut dire, absoute? Oh, Vincent, c'est la prière autour du cercueil. Mais est-ce que je mets? Oui. Bon. Et vous allez à quelle heure voir votre nouvelle petite fille? À 5 heures, parce qu'avant,
Ils l'ont mis dans une couveuse, je sais pas pourquoi. Ils l'ont mis dans une couveuse à côté de sa mère. Je sais pas pourquoi, elle fait 4 kilos. Bah comme ça, elle est dans une boîte, elle aussi, c'est raccord. Arrêtez vos conneries, c'est pas drôle. Bon, ensuite, chant à la Vierge, Salve Regina. Il faut que je recopie tout le latin? Oui. Les jeunes ne connaissent pas, sinon ils chantent pas. Bah, ça intégrise votre truc. Mais non, pas du tout, commencez pas, la musique est plus belle, c'est tout. Oh, mais ça va me durer 2 heures à recopier tout ça. Mater misericordiae. Salve Regina, Mater misericordiae. Vita dulcedo, et spes nostra, et spes nostra salvim. No 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 no. Oh Clemens, oh Pio, oh Virgo Maria. Alors on récapitule? Mais j'ai pas les feuilles. Moi je me démerde quoi. Ça va aller? Non, ça va pas aller. Mais si. Vous savez, Bonne, elle est mignonne sur son lit. Je vais tout le temps la voir. C'est dommage qu'elle ait pas vu le bébé. Non, on l'aimait bien, Bonne. Elle aussi, elle vous aimait. Elle priait pour vous tous les jours. Oh bah ça va pas beaucoup servi qu'elle prie pour moi. Mes crayons. Vous pouvez me le faire en 300 exemplaires? En 300 exemplaires? Il y a un budget? Vous le faites et je vous rembourserai au point où on en est. Et pour la sortie, on n'a rien. Ben, j'en sais rien, moi. Marqué musique, on s'en fout. Ils se débrouilleront, on leur dira de jouer de l'orgue. Vous êtes sûr qu'il y aura autant de monde? On verra. Hein. Je les aurai quand, les 300 exemplaires? Demain. Ou je vous apporte ce soir. Vous me rappelez, alors? Ouais. On voit très bien ce qu'on peut faire d'autre. Oui? Je pensais, tu pourrais pas me taper l'annonce pour le journal? Attends, là. Avec les formules habituelles. Olivier et Agnès sont heureux de vous faire part de la naissance de leur fille Clara. Clara, c'est une de Claire, non?